it's better like that it's better like that better 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 like that it's better like that Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Oh là. Désolé. C'est pas ça. Donde est puesto mi téléphone Ok, gracias. Merci que Dieu te bénisse. Oh, il quelle heure? Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Muchas gracias. Donde est puesto mi téléphone Ok, j'espère que la vue ici est bonne. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la sécurité pendant les routes, la route, les voyages. Seigneur, merci pour tes anges qui nous ont portés sur leurs ailes et nous ont gardés de heurter nos pieds contre les pierres de l'ennemi. Bénissons ton nom et ta souveraineté. Seigneur, je demande une seule chose, que tu nous accordes la grâce de passer un moment agréable dans ta présence et que nos vies soient transformées. Seigneur, merci. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc s'il vous plaît partageons la vidéo, partageons-la au maximum possible. Partageons-la au maximum possible. Nous attendons toujours nos frères et nous allons beaucoup travailler ce matin. On va réfléchir. Je vais te parler des secrets. Il y a un secret que je vais te donner pour vaincre, vaincre Satan dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas possible. L'émission sera en train de passer à la télévision, mais là, c'est. S'il vous plaît, une minute. Une minute. Voilà. Merci. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, aide-moi vraiment. Puis, compliqué, parfois. C'est trop compliqué. Quand on vous comprend pas, c'est mauvais. On est en plein direct. Ça devait passer à la télévision. Ne m'appelez pas sur Messenger. Vous voyez que je suis en direct. Vous appelez comment? Ce n'est pas gentil, ça. Hmm? Mais si vous avez quel problème, la parole de Dieu est plus importante. Si vous croyez en elle, vous êtes délivré. Oh. C'est difficile. Difficile, Seigneur, pitié de moi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je pleure, mon milieu, jusqu'à. Dieu, la personne est là pour te consoler. ces personnes que quand les frustrations du ministère augmentent comme ça, là, tu rentres à la maison, tu sais, comme qu'il y a quelqu'un qui va te dire, non, mon mari, ça va vraiment, tu sais, sois fort. Tu Et me rappeler des promesses que Dieu m'a faites, que moi, j'avais oubliées. Voilà. <laughs> Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer. Alors bien-aimés, nous sommes à Berthois pour trois jours extraordinaires. Trois jours de délivrance, de restauration et de changement. Trois jours dans la ville de Berthois où les fondements de l'enfer seront renversés, où les décrets de l'ennemi contre votre vie seront anathèmes. Je suis venu avec un décret de Dieu pour ta délivrance et ta restauration et je voudrais exhorter tous ceux qui nous suivent en direct d'être connectés à l'heure de la parole tout à l'heure à partir de 16 heures. Nous allons voir la clé, la clé pour vaincre Satan. Comment faire pour vaincre Satan Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir dans le combat spirituel. Ça veut dire qu'on se demande comment je peux faire pour m'en sortir, comment je peux remporter la victoire, comment je peux faire pour renverser telle forteresse dans ma vie. On va te donner la clé, on va partager ensemble. Cette clé se trouve dans la parole de Dieu et nous allons ensemble étudier les saintes écritures pour tirer la leçon à tirer. Euh, là à l'intérieur. Vous savez bien, aimé, tous les problèmes que nous avons ont une solution dans la parole de Dieu déjà. C'est ça qui est la vérité. Et dans la parole de Dieu est la clé. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, ça veut dire que c'est un pauvre spirituellement parlant. La richesse d'un enfant de Dieu s'évalue à la dimension ou à sa profondeur dans la Bible, dans la connaissance de la parole de Dieu. Ou si vous voulez la hauteur d'un enfant de Dieu, la hauteur spirituelle, la taille spirituelle d'un enfant de Dieu se mesure à la profondeur, à sa profondeur dans les révélations de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est point profond dans les révélations de la Bible est un enfant de Dieu qui sera léger spirituellement. Or malheureusement, dans cette génération, il est très rare de voir des chrétiens qui ne se séparent pas de la Bible. Au contraire, dans nos églises, elles sont pleines comme ça de personnes qui viennent à l'église sans la Bible. Or, chaque croyant devrait posséder sa Bible et lire la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu, la Bible est un ornement dans leur maison. Vous verrez donc que les diables nous distraient en sorte que tu peux rester devant ton téléviseur pendant toute une journée, mais tu ne peux pas lire un verset biblique ou bien cinq versets bibliques d'affilée ou une page de la Bible d'affilée. Ça devrait attirer notre attention et nous faire comprendre que... En fait, ces choses-ci, la Bible c'est très importante et que la télévision que je regarde, il n'y a pas de combat. C'est pour ma mort, c'est un poison pour ma vie et ça n'apporte rien de bien à mon âme. Donc, je, dans, je parle du sens de la distraction. Nous sommes dans le mois du combat spirituel où nous tous, on a des combats. Chacun de nous a des affronts spirituels. Il y a des forteresses qui s'attaquent à chacun d'entre nous. Ceux qui ont remporté la victoire sur leur forteresse, ceux-là vivent bien. Ils célèbrent la victoire. En, en jouissant du fruit de la victoire sur les œuvres de Satan, parce que celui qui vainc les esprits méchants jouit de son indépendance. C'est la même chose, un peu comme les nations africaines que nous voyons aujourd'hui, euh, qui ne peuvent pas prendre une décision, de vraies décisions, sans que la France ne soit émissée au bien sans que les pays colonisateurs ne puissent donner leur permission. C'est la même chose. Mais une nation qui est véritablement indépendante prospère. Quand vous regardez l'Afrique du Sud, c'est une nation qui est véritablement indépendante et elle prospère. Vous regardez le Nigeria, le Nigeria prospère. Vous regardez le Ghana, le Ghana prospère. Mais les nations qui souffrent d'une fausse indépendance, qui jouissent d'une fausse indépendance, comme le Cameroun, nous n'avons pas de président en réalité. Ce sont des personnes qui ont des mains liées. Même quand elles voudraient faire du bien à leur peuple, elles ne peuvent pas le faire parce que, en fait, certaines décisions ne sont pas prises ici. Ils sont comme les gouverneurs de la France. Ils sont présidents ici chez nous. Mais pour la France, ce sont des gouverneurs de la République française, tout simplement qui sont là pour veiller, et donc pour que les gens ne se révoltent pas, on dit président de la République, mais en réalité, c'est un gouverneur de la République. C'est ça la, 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 la vérité. Donc c'est la même chose. Il y a des colonisateurs spirituels qui s'attaquent à la vie des croyants. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus et que vous naissez de nouveau, la Bible dit... De autois et tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu sors la domination de Satan. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Tu sors du gouvernement de Satan. Tu sors la gouvernance de Satan. Donc, le monde des ténèbres n'a plus d'influence sur ta vie. Mais cependant, le diable ne se laisse pas vaincu. Le diable fera tout, lui, en tant que ton ancien colonisateur, pour te récoloniser à nouveau. Et donc ça viendra à travers les tentations, les épreuves de la vie. Le diable fera tout pour te récoloniser. Donc à partir de ce moment, tu dois te demander comment je peux faire donc pour maintenir une victoire permanente contre Satan. Nous allons voir, il y a plusieurs clés, mais j'ai choisi une clé ce matin que je veux partager avec toi. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre, 2 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit ceci. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc voyez, lorsque... En fait, nous sommes des esclaves. Celui qui est soumis à Satan, esclave de Satan, esclave du péché. Celui qui est sauvé et libéré par Jésus-Christ, esclave de la justice. Donc dans l'un ou dans l'autre quand on est des esclaves il y a des jougs. Jésus-Christ a un joug et Satan a son joug aussi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira que dit que son fardeau et son joug sont légers. Ouais, il dit son joug est léger. Mais le joug de Satan n'est pas léger, il est destructeur. Donc, lorsque j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, sauveur personnel et que je sorte des ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur, je dois comprendre que les péchés que j'ai confessés, desquels j'étais délivré ne sont pas morts. Ces péchés sont vivants. Ces démons-là sont derrière moi. Tes anciens bailleurs voudraient encore que tu redeviennes leur locataire. Donc, tes anciens colonisateurs chercheront à ce que tu deviennes encore une colonie. Satan fera tout pour que tu redeviennes sa colonie. Maintenant, comment je dois faire L'apôtre Paul nous donne une clé simple. Il dit Quel rapport y a-t-il entre l'infidèle et le croyant Quel rapport y a-t-il Il dit Non, il dit Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, un enfant de Dieu. Ici, l'apôtre Paul met une bonne distinction entre un croyant et un infidèle. Le croyant, c'est celui qui a Christ, et l'infidèle, c'est celui qui n'a pas Christ et qui ne croit pas en Christ. C'est ça un infidèle, en fait. Euh, quand il parle d'infidèle, il dit qu'on n'a pas de rapport. Et il dit qu'on ne doit pas se mettre sous des juges étrangers, les infidèles. Ça dit quoi L'infidèle a quand même son Dieu. Il a son régime de vie, son registre de vie sa façon de vivre, sa façon de voir le monde, et ils ont leur manière de vivre qui est différente de ta manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, les jour étrangers, c'est un jour qui n'appartient pas à ton royaume, au royaume de ton Dieu. Ça veut dire que un jour qui n'est pas de Christ. Ce jour-là est des infidèles. C'est un jour qui vient de Satan, le jour du diable. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul est en train de nous expliquer que si je veux maintenir une vie spirituelle en santé et avoir la victoire permanente sur Satan et dans les batailles spirituelles de ma vie, je dois apprendre d'abord à ne plus me mettre sous un joug étranger avec les infidèles, les non-croyants. Donc ça veut dire clairement que si tu as des amis non-croyants, déjà c'est un problème qu'un croyant est pour ami un non-croyant. Normalement, ça ne doit pas se faire. C'est une équation qui ne doit pas fonctionner parce que vous n'avez rien en commun. Vous n'avez rien à vous dire. Mais malheureusement, nous sommes dans un siècle de confusion. Ou les amis de croyants, et les non-croyants. Tu vois un enfant de Dieu qui est marié, qui va chez son voisin qui est non-croyant, lui raconter les problèmes de son foyer avec son mari ou bien avec sa femme. Ou tu vois un non-croyant croyant qui va se soumettre à un non-croyant. Il va lui demander, lui soumettre ses problèmes, lui parler des défis de sa famille ou les défis de sa vie. Vraiment, tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas le faire. Parce que toi, tu es la lumière du monde, cela m'a dans les ténèbres. Depuis quand les ténèbres dirigent la lumière, c'est une logique simple. C'est une logique très simple. Et l'apôtre Paul dit donc que eh, nous ne devrions pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Ça veut dire quoi Nous ne devons pas nous conformer à leur vie. Et l'apôtre Paul insiste beaucoup dans ce sens-là. Dans Romains 12, versets 1 à 2, il dit Ne vous conformez point au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, ne venez pas le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la même chose qu'il redit encore ici aux Corinthiens. Ici, ne vous mettez pas sous un jour étranger avec les infidèles. Donc, par exemple, tu as des amis infidèles, ça veut dire non-croyants, et puis que ceux-ci aillent dans les boîtes de nuit. Et tu te retrouves aussi à aller dans les boîtes de nuit avec eux. Tu t'es mis. Dans un joug étranger. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Tu viens de vivre une vie qui est étrangère à celle de Dieu. Or la Bible dit deux. des infidèles, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, un autre exemple. Tu as pour ami des ivrognes, des personnes qui aiment boire des beuveries, etc. La fête. Et toi, enfant de Dieu, tu te retrouves aussi en train de mener la vie de fête, en train de boire les boissons alcoolisées, de souler, de, de, de tituber à gauche et à droite en même temps. Tu t'es mis sur les joug étrangers. Ou alors tu as un ami qui est un non-croyant ou bien une amie qui est une non-croyante, qui mène une mauvaise vie, et qui se prostitue, et tu te retrouves toi aussi à te prostituer, ou tu avais ton copain, lui aussi et ton ami, homme, et qui a des copines, et finalement il te convainc d'avoir une copine, tu t'es mis sous, une jou sous un joug étranger, si tu mènes la vie qu'il en est de mener. Donc l'apôtre Paul explique il n'y a pas de lien, on n'a rien, moi je n'ai rien en commun avec un non-croyant. Lui, c'est Dieu, c'est le marabout moi c'est Jésus. Il a ses gris-gris, moi j'ai la Bible. Hein. Oui. Donc, je crois en Dieu, lui ne croit pas en Dieu. Il se moque même parfois de l'église où nous allons. Donc, la relation qui devrait exister entre moi et le non-croyant, c'est de prier pour lui qu'il devienne un croyant. Et c'est de lui prêcher Christ. C'est à moi de lui prêcher Christ, de lui montrer le chemin, parce que la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Et il dira encore, vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Jésus dit, c'est nous qui sommes la lumière, donc c'est à moi la responsabilité de conduire le non-croyant. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont conduits par les non-croyants. C'est ça et le désordre qui règne dans l'église aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans le combat spirituel, nous ne pouvons pas vaincre. Pourquoi? Parce que nous, nos vies ne sont pas propres. L'un des principes de victoire dans la guerre contre Satan et les forces du mal et du chaos, c'est la propriété de la vie. Tu dois te rassurer de ne pas te mettre sous un joug étranger. Donc, à vous qui avez les amis non-croyants, qui aimaient avoir des amis non-croyants, aujourd'hui, vous regardez même dans l'église, les frères vont prendre des femmes non-croyantes pour les épouser. Et puis, les sœurs vont prendre des maris non-croyants. C'est-à-dire que le mariage à l'église, les gens ne se soucient même plus de marier, d'épouser de, un homme qui craint Dieu, ou d'épouser une femme qui a la crainte de Dieu. Non, 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 c'est plus ça. On s'en fout. On veut. Je veux mon bengui, je veux mon blanc, je veux mon français. Quand le corona a commencé ici, les gens ont brûlé les photos des blancs jusqu'à. On a brûlé les photos des blancs. Des gens ont brûlé et incinéré même les photos des blancs. Pourquoi Parce qu'on craignait le corona. Maintenant que c'est en train de s'apaiser, tout le monde est encore revenu maintenant. Je veux mon blanc. Sur Internet, c'est la folie. Donc, quand tu demandes ton blanc, pourquoi ne pas dire à Dieu il y a des serviteurs de Dieu parmi les blancs Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu que Seigneur, je veux un serviteur de Dieu parmi les blancs La majorité de nos filles à l'église diront tout simplement Seigneur, je veux un blanc très riche. Qui croit au. Qui ne croit pas ou on s'en fout je veux un blanc très riche donc en sorte que notre vision du mariage ne glorifie pas dieu une fille qui craint dieu devrait dire à dieu seigneur donne moi un mari qui craint ton nom avec qui je vais te servir c'est ça la vérité mais vous partez nous ramener les non-croyants dans l'église comme ça et c'est pour ça qu'il y a les divorces qui se multiplient parce que les gens se marient avec des chrétiens apparents des personnes dont le cœur n'a pas été circoncis par la parole de jésus christ et dans un tel mariage, rien de bon ne viendra. Un mariage qui est contracté entre deux croyants, on ne peut jamais parler de divorce. Parce que les deux craignent le nom de Dieu. Les deux sont soumis à la loi de la parole de Jésus-Christ. Et donc, il ne peut pas avoir de divorce, il ne peut pas y avoir de problème. Mais il y a des divorces lorsque au moins un membre du couple est un non-croyant. Mais qu'on a cru qu'il avait cru. On croyait que c'est un croyant, on croyait que c'est quelqu'un qui connaît Dieu, ou bien qui aime Dieu, ou qui fait la volonté de Dieu. Mais qui en apparence était chrétienne, croyante, mais qui au fond de son cœur n'a jamais été circoncis par l'épée de la parole. Et donc, ça fait que ce genre de personne, le caractère n'est pas circoncis, le caractère n'est pas converti, et ce genre de personne, c'est donc normal que dans le foyer, elle va manifester l'infidélité, la méchanceté, et la rue, etc., etc., etc. Donc, la cause des divorces dans l'Église et des problèmes dans les couples, la majeure partie du temps, c'est parce qu'au moins, L'un un des membres du couple était non-croyant. Il y a des non-croyants de dehors et des non-croyants de dedans. Les non-croyants de dedans sont plus dangereux que ceux de dehors parce que ceux de dedans ont l'apparence de la piété. Tu vas voir une soeur, elle attache le foulard, mais l'ange Gabriel ne met pas le foulard comme ça, elle ne demande pas si tu mets le foulard parce que je n'ai jamais vu. Donc, et tu vas signer où la soeur chante, même, 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 même euh, hum, comment on va dire, euh, celle-ci là. Et Céline Dion ne chante pas comme la sœur. Quand tu vas seulement, tu veux seulement mourir sur la voix de la sœur. Tu te dis que voilà, alors l'ange que Dieu m'a envoyé. Pourtant, c'est une païenne de dedans. Enfin, elle chante comme ça, après, elle va dormir à la rue de la joie. Quand tu finit de chanter comme ça, là, c'est le beau fort qui va aller cogner après. Mais tu ne le sauras jamais. À l'église, elle est sainte, mais dehors, c'est une autre personne. Et donc, tu vas épouser telle personne. On dira que tu as épousé un croyant, que c'est mariage chrétien. Ce n'est pas du tout un mariage chrétien. C'est un mariage entre un croyant et un non-croyant de dedans. C'est ça la vérité. Donc, être dans l'église ne veut pas dire que vous êtes converti. Vous bien que vous connaissez Dieu, mais que vous avez Dieu. Non, non, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Il y a tellement de problèmes dans l'église que j'observe aujourd'hui dans le caractère des enfants de Dieu et je suis vraiment écœuré. Bon, supposons par exemple que vous travaillez quelque part. Vous travaillez quelque part et puis votre patron organise une fête. Vous devez recevoir votre patron à la maison chez vous. Euh, et puis, alors, vous vous dites, ok, comme c'est mon patron qui va venir, vous commencez à jouer les musiques mondaines. Vous mettez le mapuca, vous mettez le dombolo à la maison chez vous. Et quand il arrive, vous mettez les whisky là-bas, les fajitas et les black and white, vous mettez JP Chenet. Vous mettez walker, Tolkien walker, c'est Tolkien, walker, walker. Hein? Donc vous mettez tous ces grands veilles, les champagnes, vous les mettez dans votre maison pour accueillir. Vous dites, ah c'est mon patron, je vais faire comment Bien aimé, tu vas faire comment hein? Tu es un faux enfant de Dieu ou un faible enfant de Dieu. En réalité, tu viens de te mettre sous un joug étranger avec des non-croyants. Un non-croyant ne peut pas venir imposer la loi de son Dieu ou de ses dieux ou la loi de sa vie dans ta maison. Toi qui es enfant de Dieu, moi je vais recevoir mon patron, je vais lui offrir de l'eau à boire. Tu veux me chercher du travail. Moi, je suis, eh, l'ampoule est grillée, c'est grillé. L'ampoule grillée, grillée n'a pas peur du coup, du coup, circuit. Donc, non. Je vais dire à mon patron que vraiment, j'ai une loi. Tu penses que, même si tu es le patron influent d'un musulman, n'importe comment, tu peux aller là-bas et tu lui demandes qu'il te prépare le porc et il te prépare le porc. Il ne le fera pas. C'est pour ça qu'on le prend au sérieux. Mais toi, c'est aussi pour ça qu'on te prend pas au sérieux parce que tu n'as aucun respect toi-même d'abord pour ta propre foi et pour le nom de ton Dieu. Je reçois mon patron chez moi, il va boire de l'eau. On va lui faire le foléré. Il va boire le foléré. S'il ne veut pas, ok, il l'eau On va lui mettre de l'eau. Et puis, on va lui mettre les louanges. Je veux mettre les adorations et les louanges. J'ai raconté l'histoire quand je suis allé épouser mon, ma femme. Je suis allé la doter à l'époque. Quand je suis arrivé, euh, en fait, je leur ai dit que moi, on a demandé l'argent pour le vin. J'ai dit, je ne donne pas l'alcool aux gens. Je ne bois pas et je ne donne pas à boire aux gens. Et même les bouteilles d'alcool vides n'entrent pas à la maison chez moi. Et ma femme veillait à ça. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. C'est des fruits rares aujourd'hui dans l'église. C'est très, très rare. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi C'est que les jours de la grande dote, je suis assis avec les papas Dobby, les papas Tikangwa, et etc. Pendant qu'on est assis, je vois les gens qui sont courbés, sortent de passer avec les choses sur la tête. Je demande que c'est encore quoi que... En fait, c'est leur attitude. Comme ils se cachaient là. C'est cette cachotterie là euh, qui a attiré mon attention. J'ai dit, mais c'est qui? Les gens-là, le rang de gens-là, la file de personnes-là, qui marchent comme s'ils avaient la scoliose ou la lordose ou la syphose. là Qu'est-ce qui se passe? Quand je me lève pour guetter, je me rends compte que c'est des casiers de bière qu'ils étaient en train de faire entrer clandestinement dans la, dans la maison de ma belle-mère. <laughs> je me suis levé. Je leur ai dit que j'ai vu, je vous vois, je vous vois. J'ai vu, ça c'est la bière, la bière, ça c'est la bière. Ça, c'est la bière. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi Levez-vous, on part. Levez-vous, on part. On part, je ne veux plus le mariage là. J'ai failli annuler le mariage et j'étais sincère. J'ai dit que si c'est ça, je ne veux plus. On arrête le mariage, on arrête la dot. Je me suis levé. C'est les papa Tikango et autres qui m'ont arrêté. Que papa, pardon, attendez. Et c'est Mireille, maman Mireille et son grand frère, Moussini Pierre, qui sont allés voir les oncles et les tantes pour leur dire que l'homme, s'il ne joue pas avec sa foi, pouvait l'attaquer dans tous les domaines sauf son Jésus. Si vous faites ça, il va annuler le mariage ici. Et ce n'est pas le jeu. S'il sort d'ici, il ne va plus revenir. Et c'était sérieux. Je partais. Et c'est comme ça que les casiers de bière ont repris, rebroussé chemin. Tous les casiers, le, 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 le même nom rang et sorti, je comptais un, deux, trois, jusqu'à la dixième personne. Ils sont ressortis avec la bière. Quand ils sont partis, j'ai dit restez péché comme vous voulez. Mais pas que je laisse promouvoir le péché dans mon mariage. Je ne peux pas accepter ça. Que le nom de Dieu soit blasphémé dans mon mariage. Il n'y a pas eu une seule musique mondaine. Il n'y a pas eu. Il y a des enfants de Dieu d'une race pure qui ont pour désir d'honorer le nom de Jésus et ils imposent leur foi partout où ils vont. Donc, je ne peux pas accepter me mettre sous un chouk étranger avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Non. Tu ne peux pas imposer ça à un musulman. Tu peux arriver chez un musulman, tu entres avec la chaussure, tu respectes le musulman. Pourquoi tu ne respectes pas ma foi? Non, si tu respectes la foi du musulman, tu dois respecter ma foi. Oh, les enfants de Dieu de cette génération n'ont pas de foi, n'ont pas de principe de foi. Ton patron devrait te respecter. Savoir que vraiment, l'employé, si elle est différente ou il est différent, avec lui, voici les limites. On ne fait pas comme ça parce qu'il a son Dieu. Vraiment, tel de réunion, il va à l'église, etc. C'est difficile de voir un chrétien qui refuse un travail aujourd'hui parce que le travail l'oblige à ne pas aller à l'église. Il a dit au patron que vraiment, patron, eh, comme on va signer le contrat, s'il vous plaît, jeudi ou, ou, ou vendredi, j'ai atmosphère du miracle et dimanche, j'ai culte à de 7h30 à la bière. Donc, voici bah, les seules conditions que je pose. Et le patron dit que non, non, je ne peux pas. Je vais vous occuper dimanche et tout. Et il dit que non, non, si c'est ça, je, je préfère ne pas travailler. Quand tu fais ça, Dieu te note, Dieu te voit. Tu ne veux pas te mettre sous un jour étranger. Tu veux honorer ton Dieu aussi. Tu veux que les gens respectent ton Dieu. Que les gens respectent ta foi. Si toi-même tu ne respectes pas ta propre foi, comment est-ce que Dieu sera respecté Il dit c'est à cause de vous que le nom de Dieu, il dit que mon nom est blasphémé tous les jours parmi les nations, à cause de vous. Donc, par toi, les gens peuvent voir la valeur de la foi chrétienne. Je me souviens que j'ai reçu un de mes oncles, le Yaya, qui était venu de Garoua pour me rendre visite. Et pendant qu'on causait, je lui dis attends-moi, j'arrive, je veux prier. Il dit tu vas où Je dis je veux prier. Je vais, je mets à je prie. Et je reviens, on cause, on cause. Après, je lui dis, attends, je reviens. Il dit, tu vas où Je lui dis, je vais prier. Quelques jours après, il me dit, dit c'est l'heure de ta prière. Et je m'en vais, je vais prier. Et quand je reviens, le soir, on causait. Et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, je ne savais pas que les chrétiens priaient aussi. Mais c'est trop grave, ça. Je ne savais pas que les chrétiens priaient aussi. Vous imaginez ce que les gens ont comme idée sur nous et ce qui est vrai. Les chrétiens, beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup se conforment au siècle présent et se mettent sous des jougs étrangers. Et ça pose un réel problème. C'est pour ça que notre foi n'est pas respectée partout nous allons. Non, c'est la vérité. Ton patron qui va faire que tu pêches contre Dieu parce que toi tu veux l'honorer. Dis-lui de ne pas aller adorer les crânes de ses ancêtres. Tu verras s'il te renvoie pas. Il honore les crânes de ses ancêtres. Il honore les divinités de son village. Mais toi, il te fait euh, manquer de respect à ton Dieu. Tu es dans le problème avec Dieu, tu es dans le problème avec l'humain. C'est une honte, en réalité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que pour remporter la victoire dans le combat spirituel, premièrement, je ne dois pas me mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Il dit, car ah, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Quel rapport y a-t-il entre un homme qui vit la justice et un homme qui vit dans le péché Vous pouvez vous dire quoi Donc je suis étonné lorsque je vois des enfants de Dieu qui ont des amis. Païens avec qui s'entendent. Normalement, tu ne dois pas t'entendre avec le monde. Non. Parce que ta vie est différente de leur mode de vie. Ton mode de vie doit être différent. Si tu t'entends avec les païens, c'est parce que ta foi n'est pas assez piquante pour les mettre mal à l'aise. Tu les supportes dans leur péché. Parce que si vraiment tu mènes une vie comme celle que Dieu veut, que tu mènes ta vie là, un jugement pour tes amis non-croyants. Ta vie là, ça dit, tu seras en train de leur dire toujours, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Ici là c'est pas bon, l'adultère c'est pas bon, le mensonge c'est pas bon, les vols c'est pas bon, et les beuvreries c'est pas bon, l'ivrognerie c'est pas bon, le mensonge c'est pas bon, l'hypocrisie c'est pas bon, la jalousie c'est pas bon. Ils vont se fatiguer et vous ne pouvez pas vous entendre parce que c'est leur mode de vie et toi ton mode de vie est contraire au sien. Mais si tu t'entends parfaitement avec les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière en toi. Ou bien la lumière qui est en toi est ténèbre. Et Jésus-Christ dit que si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres C'est ça la vérité. Tu es avec eux, ils volent, tu ne dis rien. Tu es comme un moumou, ils mentent, tu ne dis rien. Oh, ta responsabilité, c'est de ramener le non-croyant à la lumière. Voyager des ténèbres pour son admirable lumière. Et donc, ça fait un problème. Tu es avec tes amis, ils fument, tu ne dis rien. Ils volent, tu ne dis rien. Ils se prostituent, tu ne dis rien. Ils tiennent des propos injurieux, tu ne dis rien. Des propos moqueurs. Tu ne dis rien. Des propos impudiques et immoraux, tu ne dis rien. Parfois, même, c'est même toi qui, qui parle encore d'immoralité sexuelle. Je dis qu'à mêmes comme ça. Pourquoi C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont dépassés que toi qui dis que tu es enfant de Dieu, qui est chrétien, tu parles encore de bêtises plus eux mêmes Le monde s'étonne comment le croyant lui-même pratique encore le péché. Et ça pose un réel problème. Donc, c'est à cause de cette faille, de cette défaillance spirituelle que plusieurs. D'entre vous, vous avez les couches de nuit, vous souffrez des oppressions nocturnes, vous souffrez... C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, dira « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je n'ai pas d'amis non-croyants. Hein. Je n'ai pas d'amis non-croyants. Déjà, même, que même parmi les croyants, là, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'amis. Non, ils sont peu nombreux. Parce que l'amitié, quand même, bien aimée, c'est un attachement à une personne. C'est un fusionnement de vie, un fusionnement de mentalité, c'est un partage, un échange. Un échange d'énergie, un échange d'expérience, un échange de vie. Ce n'est pas juste un frottement, c'est un échange de vie. Ouais. Donc il y a une grande influence. Il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec les mauvaises personnes, alors il y a de fortes possibilités qu'à la fin tu deviennes une mauvaise personne. C'est ça la vérité. Si tu es en compagnie de moqueurs, toujours en compagnie de moqueurs, tu finiras par devenir un moqueur. Il est plus facile de pratiquer le mal que de pratiquer le bien. Je me répète, il est plus facile de pratiquer le mal que de pratiquer le bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter toute mauvaise compagnie. Personnellement, lorsque je me rends compte qu'une relation m'amène très loin, elle est en train de vouloir m'amener loin des objectifs de ma vie, ding, je coupe. Pourquoi Parce que je n'ai pas assez de temps à vivre, je ne sais pas combien de temps il me reste encore. À vivre sur la terre. Donc, normalement, tu devrais aussi faire comme moi. La Bible dit que qu quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Mais on voit la lumière devenir amie des ténèbres et les ténèbres diriger la lumière. C'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, c'est ça. Les enfants de Dieu qui s'asseyent dans les bars avec leurs collègues à la pause du travail, ta pause. Tu ne peux t'asseoir dans le bar avec tes collègues. Quand on va venir, tu dis que non, moi, je buvais le jus. Mais tu faisais quoi là-bas Il y a des endroits où tu ne dois pas aller il y a des milieux où un vrai enfant de Dieu ne peut pas entrer. Je me souviens qu'un père de l'église au Cameroun, un apôtre, m'a appelé un jour, il m'a dit, mon fils, je vais te voir, je suis allé. Il m'a dit, retrouve-moi dans tes quartiers. Je suis arrivé dans ce quartier-là. Quand j'arrive dans le quartier, il était dans un coin bien caché. Très bien caché. Hein? La première fois, c'était dans un autre coin d'abord, dans un supermarché. Il y avait eh, une chambre, une -chambre et une antichambre là-bas. Et j'ai trouvé beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pères, hein? beaucoup de papas spirituels de l'église ici, au Cameroun. Ils étaient là. Le coin était là. Et puis, ils avaient mis les bouteilles de whisky étaient sur la table. Et ils avaient mélangé le whisky, ils mettaient le whisky avec le coca pour brouiller les pistes. Les gars étaient sous. Ils m'ont dit, venez m'asseoir. J'ai dit, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans un milieu comme celui-ci. Ma foi ne me permet pas ça. Il est sorti, on a discuté. La deuxième fois, il m'invite dans un sous-quartier. Moi-même, je ne savais pas qu'il y ait un endroit comme ça. Pourtant, j'ai habité presque dans le quartier là. Donc, quand je suis arrivé là-bas, euh, quand j'arrive là-bas, euh, je trouve que c'était une buvette bien cachée, une posada, une buvette, et, et le genre que, on appelle encore ça comment là-haut. Il y a un nom là. Donc, j'arrive là-bas, le gars, il y a la boisson devant lui, la boisson alcoolisée et tout. Il me dit d'entrer m'asseoir. Je lui ai dit, je ne peux pas entrer là-bas, papa, pardon. La première fois, je vous ai dit que je ne pouvais pas entrer. Moi, ma foi ne me permet pas ça. Ma foi ne me permet pas, l'engagement que j'ai pris avec Christ ne me permet pas d'entrer dans le milieu comme ça et de m'asseoir. Il a dit Ok, il est sorti, on a causé. Mais ce papa a dit sur Facebook que moi, ma femme est morte, c'est la sorcellerie. Moi, je suis rosicrucien, c'est pour ça que mon épouse est morte. Il a fait une publication comme ça, vous voyez. Mais il oublie il oublie que euh, euh, je n'ai pas voulu entrer dans un endroit souillé par crainte de Dieu. Lui, il est entré là-bas, sans craindre le nom de l'Éternel. Donc vous voyez, c'est un peu ça le problème aujourd'hui avec l'Église de Dieu dans notre nation. C'est ça le problème. Donc moi je pense qu'il faut faire attention à qui vous suivez. La manière de suivre les gens, il faut faire attention. Ne suis pas bêtement les gens. Même si c'est ton pasteur, tu ne suis pas bêtement. Même si c'est ton père, ton frère, en Christ ou n'importe quoi, tu ne suis pas bêtement. Quelqu'un peut faire. Voilà, c'est le circuit, merci. Merci Angèle Rose. Donc, je l'ai trouvé dans un circuit. Il était dans le circuit, le circuit de la mort. Il y a les enfants de Dieu qui vont là-bas. Il y a des enfants de Dieu qui se retrouvent dans les bars. Il y a des enfants de Dieu, même des hommes de Dieu qui vont dans les boîtes de nuit. C'est des joues étrangers, bien-aimés. Toi, tu es homme de Dieu, tu vas dans la boîte de nuit. Ou bien tu organises des fêtes avec le don croyant, les belles filles dans ta maison, dans ta cour. Ils sont comme ça, les hommes de Dieu. Je ne savais pas que ça existait. Mais j'ai appris ça ces derniers temps-ci. Et j'ai été choqué, j'ai été ébranlé dans mon âme, au plus profond de mon âme. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai les séquelles. Ça m'a affecté, ça a failli affecter même ma santé. De savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui organisent des fêtes avec la musique mondaine. Ils fument, ils boivent, ils invitent les jeunes filles. Ils font la partouche, ils ont la fête. Hein? Tam tam, les filles sont en Bermuda. <laughs> J'ai dit un Bermuda, bermuda excusez-moi. Donc, les gars sont en Bermuda, les filles sont en, 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 en soutien, avec les strings et tout ça. Elles balancent leurs seins comme la République du Gondwana. Et là, ça fait un problème. Là, c'est un joug étranger. Ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu ni d'homme de Dieu. Nous ne devrions pas, en tant qu'homme de Dieu, nous avons une lourde responsabilité. Je comprends que la jeunesse est compliquée. C'est vrai que servir Dieu étant jeune, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas compliqué pour vous seulement. Nous tous, là, on est dans le même problème. Moi-même, je ne respire pas. On est dans la même bataille. Mais seulement, dans la vie, quand vous savez ce que vous voulez, alors il y a des erreurs que vous ne commettrez jamais. Donc, il faut refuser les joues étrangers. Ceux qui font ces choses-là se mettent sous un joug étranger. Et donc, du coup, ce qui arrive dans à ces païens vous arrive. C'est ça que vous allez remarquer que le mal qui leur arrive, c'est-à-dire que les malheurs qui vous arrivaient avant, les délivrances, vous aviez déjà reçu la délivrance. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que les mêmes démons ont encore accès à votre vie. La même maladie est revenue. Les mêmes malheurs commencent encore à vous frapper. Pourtant, à un certain moment, ces malheurs-là avaient disparu de vos vies. De votre vie. Vous vous rendez compte que ça vient, ça revient. C'est un rêve. Vous ne le faisiez plus. Pas dans les couches de nuit. Mais maintenant, vous vous rendez compte que, ah, euh, les couches de nuit sont en train de revenir. On ne vous oppressait plus. Maintenant, on vous oppresse encore dans la nuit. Pourquoi Parce qu'en en fait, vous êtes retourné dans vos vomissures. La Bible dit que la truie est retournée dans ses vomissures. Et c'est votre dans la boue. Et le chien a mangé ce qu'il a vomi. Lorsque tu vomis quelque chose et que tu retournes manger cela, automatiquement, euh, il y aura des conséquences, il y aura des répercussions, voyez. Donc, c'est important. Il y a, euh, par, par exemple, plusieurs de nos jeunes soeurs à l'église qui s'habillent à l'église, vraiment. Tu te demandes encore, que, ah, c'est toujours la pudeur comme ça. Quelqu'un s'habille, même ses yeux, tu ne vois plus. Les oreilles, tu ne sais pas si elle a les oreilles ou elle n'a pas les oreilles. Dans le foulard ferme tout. Ses pieds, tu ne sais pas si elle a les chaussures ou pas parce que sa longue robe couvre tout. Mais au quartier, elle a des amis qui s'habillent en mode VCD, DVD. Voyez. Et là, ça pose problème. Elle aussi s'habille comme ça. Et ça pose un problème. Toi, tu es jeune, tu vas dans les balles de jeunes avec tes amis païens, tes collègues et tout. Et si on te pose la question, tu vas dire que non, c'était mes collègues, vraiment, j'étais obligé d'aller. Tu n'es pas obligé. Nul n'est obligé de faire quoi que ce soit. Donc nous devrions porter notre responsabilité, nous méfier des jouks étrangers. De la vie, je ne vous mettais pas sous un jouk étranger avec des infidèles. Il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc nous n'avons aucun rapport avec la lumière et, à, entre les, la lumière et les ténèbres. La lumière c'est nous et nous devons faire attention. La seule chose que nous devons faire c'est de ramener les ténèbres à la lumière ou bien et de faire briller notre lumière dans les ténèbres. Mais aujourd'hui c'est les ténèbres qui ont en nous notre lumière. Allez voir beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent sans aucun scrupule parce qu'ils veulent vivre pour la gloire des hommes. L'apôtre Paul a dit ceci s'il fallait plaire aux hommes, il y a longtemps que nous serions plus serviteurs de Jésus Christ et c'est une réalité. Donc, si tu ne peux pas vivre en même temps craignant les hommes, ou tu crains Dieu, ou tu crains les hommes. Tu ne peux pas vivre, tu plais, beaucoup d'enfants de Dieu font plus plaisir aux hommes qu'à Dieu, à leur Dieu. Je ne peux pas faire ça. Mais si tu es ma belle, je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas. Ma foi est sacrée. Ta foi doit devenir sacrée. Quand tu deviendras sérieux, tu verras. Ta vie va commencer à changer. Beaucoup de forteresses dans ta vie vont commencer à tomber. Je ne peux pas faire plaisir à un homme au détriment de mon Dieu. Je préfère faire plaisir à Dieu, j'ai le problèmes avec toi. C'est ça qui devrait être le credo de chaque croyant. C'est comme ça que nous devrions vivre. Je préfère avoir le problèmes avec mon patron qui me renvoie à du travail que de pécher contre Dieu. Joseph a dit à la fin de Potiphar Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu En cette génération, aucun discernement, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes tellement hypocrites et tellement égocentriques que nous sommes prêts à tout faire pour nous satisfaire nous-mêmes, satisfaire euh, nos désirs personnels. Ne cherchons pas la gloire de Dieu. Or, l'apôtre Paul dit que non. Il ne vit pas pour plaire aux hommes. S'il fallait plaire aux hommes, lui, il serait plus serviteur de Christ. Il vit pour plaire à Christ au détriment des hommes et non pas pour plaire aux hommes au détriment de, 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 de Christ. Donc, bien et même, nous devons comprendre ses responsabilités. Être enfant de Dieu, c'est très important. Donc je pense que l'apôtre Paul, comprenant dans ce problème profond dans l'église, il va écrire. Chaque enfant de Dieu doit maîtriser ce passage. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle C'est la Bible. Quel rapport y a-t-il entre Jésus et Bélial Entre Jésus et Satan, si vous voulez. Quel rapport y a-t-il Tu as déjà vu Jésus aller rendre visite à Satan un jour Ou tu as déjà vu Jésus avec Satan faire un direct Tu as déjà vu Jésus-Christ avec Satan M'a-t-il dit qu'on va se faire une petite balade ou une petite promenade ce n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. C'est la guerre entre eux. Donc, il n'y a pas de rapport. Ils ne sont pas des amis. Et donc, leurs enfants ne devraient pas être des amis. Vous comprenez bien ce que je dis. Hein? Quand je dis amis, ça veut dire dans le péché. On ne devrait pas interagir. Ça à dire que partager leur mauvaise vie. Tu peux avoir tes parents qui sont non-croyants. Ta maman qui est non-croyante. Ça ne veut pas dire que tu vas la rejeter ou bien la condamner ou bien dire qu'elle est une pécheresse. Non. La Bible dit que nous ne devons pas prendre part à leur mauvaise vie. Tu respectes ton père qui est non-croyant, tu pries pour lui, tu es obéissant, tu l'es soumis selon le Seigneur. C'est ça que la Bible nous enseigne. Tu as tes camarades de classe qui sont non-croyants, vraiment, vous pouvez aller jouer au football, vous êtes ensemble, vous parlez ensemble, vous discutez ensemble. Oui, on comprend cela, c'est normal. Vous êtes à l'école, vous étudiez ensemble, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas partager de vie. Tu ne peux pas partager leur vie. Ça veut dire que quand maintenant il s'agit de péché, mode, le mode de vie, tu leur dis, moi j'ai déjà mon mode de vie. On peut étudier ensemble, il n'y a pas de problème. On peut partager un match de football ensemble, il n'y a pas de problème. On peut regarder ensemble un documentaire, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez maintenant qu'on aille dans le mode de vie péché, je ne peux pas faire ça. Pourquoi Parce que moi aussi, oh, euh, j'aime pas seulement votre mode de vie qui existe, moi aussi, j'ai mon mode de vie et que je respecte. Donc, c'est comme ça que ça devrait se faire. L'apôtre Paul dit que comme le diable et Jésus ne sont pas des amis, normalement, je ne devrais pas être ami. On parle d'amis. Quand je parle d'amis, comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de contact avec le non-croyant. Non. non. L'apôtre Paul a dit que s'il faut ne pas avoir de contact avec le non-croyant, il dit autrement, il faudrait sortir euh, de la terre. Il faudrait quitter cette planète pour trouver une autre planète. Non. On doit avoir de bonnes relations avec le non-croyant. Des relations amicales. Et quand je parle des relations amicales, je parle des relations amicales humaines. Mais pas d'interaction de vie. Mais c'est deux choses différentes. Moi, je m'entends bien avec les non-croyants. J'ai beaucoup de non-croyants avec qui je sympathise. On s'entend tellement bien. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas d'amis non-croyants. Je n'ai pas d'amis non-croyants. Non. -croyants. non. C'est eux qui me posent leurs problèmes. Je ne pose pas de problème parce qu'ils ne peuvent pas résoudre mes problèmes. Parce qu'eux, ils sont déjà dans les problèmes, parce qu'ils sont enchaînés par les ténèbres. Ils ont besoin de moi. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'eux. C'est ça la réalité. Je ne peux pas poser un problème à un païen, il va faire quoi C'est à lui de me poser les problèmes. Mais toi, tu es une honte. C'est une honte lorsque tu prends tes problèmes pour aller les poser à quelqu'un qui ne peut pas t'aider, qui n'a pas Dieu et qui est sous les chaînes de Satan, à un prisonnier. Parce que toute personne qui n'a pas Jésus-Christ est morte et elle est prisonnière. Beaucoup de croyants communiquent, donc communiquent spirituellement avec des morts. C'est-à-dire qu'ils vont en de nuit, tu vas avec eux. Ils vivent mal et tu vis avec eux. Ils se droguent, tu drogues, tu drogues. Tu drogues avec Ils vont dans les bars, tu vas avec les bar, dans les bars avec eux. Ils vont dans les bistrots, tu vas dans les bistrots avec eux. Donc, tu es en train de communier avec des morts. Quiconque n'a pas Christ est mort, en réalité. Et quiconque a pas Christ est vivant. Donc, lorsque tu as la vie, tu dois communier avec les morts, frère. Non tu dois plutôt donner la vie aux morts, tu dois leur parler de Jésus, tu dois évangéliser tes amis qui n'ont pas Jésus. Tout, ce que tu peux avoir comme relation avec eux, c'est de leur prêcher la Bible. Tu les harcèles avec l'écriture, tu les harcèles avec l'évangile. Tu leur montres le droit chemin dans l'amour, dans la patience et dans la miséricorde et dans la bonté. Tu leur parles de Jésus. Mais tu es catégorique dans ta foi. Lorsqu'ils veulent te dévier de tes convictions chrétiennes et bibliques, tu leur dis non, je ne peux pas faire comme ça parce que c'est interdit par la loi de mon Dieu. Mais tu leur prêches l'évangile, tu leur bombardes l'évangile. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants ont honte de confesser Jésus même en public. Beaucoup ont honte. D'ailleurs, même quand tu as la Bible, tu mets la Bible dans le cabas pour que tes amis ne sachent pas que tu es né de nouveau, que tu vas dans une église évangélique. Et ça pose un réel problème. Or, oh, Jésus-Christ, pour résoudre ce problème, a dit si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'ai reçu honte de lui devant mon Père qui est au ciel. Mais si quelqu'un me confesse devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est au ciel et devant ses anges. Vous comprenez Donc, c'est un peu cela. Tu dois être fier d'être chrétien. Tu dois défendre les drapeaux de ton pays, qui est la Nouvelle Jérusalem. Devrions défendre. Avec, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, où on vous dit que les talibans sont revenus au pouvoir. Ils ont pris contrôle de tout un pays. Comment est-ce que c'est possible Ils se sont battus pour défendre les couleurs du djihad. Et ils ont vaincu. C'est la même chose pour nous qui sommes enfants de Dieu. Tu dois vivre pour Christ. Tu dois vivre pour faire avancer le royaume de Christ. C'est une responsabilité qui n'incombe pas seulement aux hommes de Dieu, mais elle incombe à toute personne qui s'appelle enfant de Dieu, bien croyante ou chrétienne. Tu dois prêcher Christ aux non-croyants. Mais tu ne dois pas partager leur mauvaise vie. Tu ne dois pas te laisser séduire par leur mauvaise vie. Tu ne dois pas te laisser aller par leur mauvaise vie. Le péché est très sucré, mais ça, la faille est plus amère que la morsure d'un basilic ou d'un aspic. Donc voilà, chers enfants, une partie, on va revenir encore demain à 10 ans, on va revenir encore sur les clés de la victoire dans les combats spirituels. Si tu fais ça, tu verras donc que les esprits qui ont subjugué ces non-croyants, n'auront pas d'autorité sur toi. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de communion spirituelle entre ton mode de vie et leur mode de vie. Mais si tu commences à vivre comme eux, c est, c est, c est, ce sera un pont, un tunnel que tu établiras entre toi et eux. Et c'est par ce tunnel dont que les malédictions de leur vie atteindront ta vie, que leur maladie spirituelle, leur MST, les maladies spirituellement transmissibles, t'atteindront aussi. Donc, il faut faire attention au MST. Donc, pour ne pas te faire choper une petite MST, c'est-à-dire une petite maladie spirituellement transmissible. Fais donc attention à ta relation avec les non-croyants. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous pour ceux qui sont dans la ville de Berthois, tout à l'heure à 16h, en chaîne SCT, derrière au quartier Mokolo 1. Je suis déjà dans la ville et je t'attends, je vous attends très très nombreux. Je Berthois, Berthois, Berthois,

Uh, and i bless the lord because i know that tonight will be your night tonight will be your day yes because the lord has given you this appointment to come and change your life so i'm in the city i'm in the town to share the grace of god with you as you are coming i believe that god will uh, will will bring you a surprise for you and for your family i bless you and i love you in the name of jesus otame yoo te oni miyanu motawo bonga jemi bena mine le mi bɛri toi ndabi bonga bi main bi main jɔ dɔ bi ki bɛri toi boye eh, kawo tali ma dame ye koawi à partir de seize heures bi kii bɛsɛ o ta oni ŋgɔŋgɔnye o kii o ta koine o kii boyeŋ fasan keeli aw ŋun kɔmi awo pa bɛ o yɛng bɛsɛ o kpama o ba kpamu o kpami motawo bonga bi kii bi main bawo ɖɔn si moom kɛ bon bi wo ki bi mi wo ki bi wi wo ki, ki bi bɔnbo bi bɔnbo bi kii bi hwain. Donc, que Dieu te bénisse, je t'aime d'un amour vrai, que Dieu soit avec toi et tous les habitants de Bertois. Tout à l'heure, rendez-vous à 16h, en seine au quartier Mokolo 1. Hein, pour vous qui ne serez pas là, soyez connectés en direct à partir de 16h et priez pour nous que ce programme soit une bénédiction pour la ville de Bertois. Que Dieu t'aime et qu'il te garde dans son nom précieux, au nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.